Elles sont quatre, toutes japonaises. Ce sont les reines du manga. On les appelle les Clamp. Elles travaillent sur différents registres, comme la fiction ou le policier, mais aussi bien d'autres encore, avec un graphisme bien personnalisé. Le graphique, c'est le caractère très effilé, très androgyne des personnages masculins en particulier dans qu'elle dessine dans toute une série de thématiques ou de longs récits qui vont donc de thématiques mythologiques, historiques, religieuses à des genres beaucoup plus prosaïques, disons, ce qu'on appelle le genre des magical girls, des petites filles qui sont magiciennes, des registres policiers. Le manga est apparu au 2e siècle sous l'ère Kamakura. Depuis, il évolue avec la société. Aujourd'hui, films d'animation et bandes dessinées ont conquis un large public, mais parfois pour différentes raisons. Donc c'est intéressant de voir justement la culture japonaise à travers les livres. Définitivement, je pense que je vais en faire mon métier. Pas mangaka, mais c'est vraiment une forme de culture originale et qu'on n'a pas l'habitude de voir en Occident. Quoi. Donc forcément, oui, ça m'intéresse énormément. Je sais pas, j'aime bien lire, j'ai jamais vraiment réfléchi en fait. Bah, je trouve ça sympa, bon, je suis jeune en même temps, c'est peut-être pas forcément très intelligent ou ça m'apporte pas forcément grand chose, mais j'aime bien, c'est distrayant et j'aime bien ce genre de série. Les mangas et l'histoire du collectif féminin Clamp est présenté au Carré d'Art de Nîmes jusqu'au 5 janvier 2013.